Kifala. Elle est au Kouma Kabila. Yomu toke in na Rwanda. Rwanda libela. Olie bebele na Congo. La bandila, la bandila. Soki to eba Kifala. Elle est au Kouma Kabila. Yomu toke in na Rwanda. Rwanda libela. Olie bebele na Congo. Tosuki sawana. Kale to kota na Congo. Voilà. Je crois que vous avez bien suivi cette chanson révolutionnaire des enfants congolais. Les enfants congolais. C'est ça l'esprit que nous voulons inculquer à nos enfants. Cet esprit de la révolution, cet esprit de la révolte. Voilà. Que je vous connaissez pas dans Zembo Makasi. Nous avons l'esprit à UDPS, mouvement révolutionnaire, ya Congo. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est mon frère, c'est moi, Kedjomou Kenji, votre frère Kedjomou Kenji. Voilà, on vient parler de l'actualité. Et vous le savez, l'actualité aujourd'hui, c'est le gouvernement, la nomination de la première dame, premier ministre, chef du gouvernement de notre pays, la RDC. C'est-à-dire, c'est une histoire, c'est l'histoire qui se crée en RDC. Voilà. Donc, on va en parler par-ci par-là. On a ramassé des vidéos par-ci par-là pour éclairer ce dossier de notre Premier ministre, maman Judith Souminwa Touluka. Touluka, c'est le nom de son mari. Son mari, c'est le vieux Roger Touluka, le propriétaire de la famille qui gérait l'alimentation chez Yaya. L'animation chez Yaya, bah, yébi, yamo, bah, kongo nyos tout, bah, yébi, chez Yaya, bah, kinoa, bah, yébi, chez Yaya. Voilà. Alors, et puis, on va parler du poltron, Joseph Kabila, le Rwandais, que le secrétaire général Augustin Kabouya a exposé à la sanction populaire. Voilà. Et puis, on a écouté le ministre, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui était sur le front médiatique. Il est, on l'a vu sur plusieurs médias internationaux. Alors, j'ai relevé quelques éléments et on va essayer d'en parler, de partager avec vous. Alors, vous êtes très nombreux, réseaux sociaux, partagez, likez, ça serait une très bonne chose. Charles Mouteba, je te salue, mon petit frère, la petite beauté. Pekos Kawa, j'ai lu ton commentaire. Pafil Yanga, la petite beauté. Louis Mwembo, Gabi Mwembo, la petite beauté. Maman Francine Esther, la petite beauté. Oui. Fumuto Toakeba, Fachi Beta, Robert, t'as 12. Robert, t'as 12. Si ma bandi vole, la mitalie. Soit on rejoindre Nanga, à région de mitalie. Robert Moukeni, je salue Antolomia, Maître Gouter, la petite beauté. Bana Congo, la petite beauté. Jean Matoko, la petite beauté. Ma Victorienne Bouyamba, j'ai lu votre commentaire, j'ai aimé le commentaire. Un grand soutien pour moi, ça me va droit au cœur. La passion de l'UDPS, elle est contagieuse. C'est ça le travail. Parce que Bissopé, ce sont nos parents qui nous ont cette passion de combattre pour notre pays. Voilà. Donc, c'est ça l'esprit UDPS, le mouvement révolutionnaire. Tous les Congolais doivent se retrouver dans ce mouvement-là. On a la partie politique Songolom Pakala. Mais mouvement révolutionnaire à UDPS, il faut ça là. Pour ceux qui ont passé mot d'ordre, Moutoutou, Atelemi, Makasi, tout là. Jean-Louis, Bisanguila, je te salue. Mado Ilunga, la petite beauté, présente de Sayo, la petite beauté. Maman Kalkal, en Suisse, Naebio, je sais que c'est toi, je te salue. Alors, Hubert Ilunga, je te salue. Mon numéro est simple. 0044, préfixe, il y a UK, il y a Angleterre, 0044, Otiango, 74, 0422, 62, 07. La Bandeli, 0044,
74 0422 62 07. Bon, maman Misenga Tchenda, je te salue. Kobangate maman, kobangate. Vous savez, la politique marche de pair avec le média. Ce qu'il faut préparer, puisque la politique, un homme politique dans le cadre démocratique, qui veut se faire élire, doit marcher de pair avec le média. Le média qui prépare sur l'électorat à travers l'opinion. On doit déjà informer les Congolais. Voilà. Il y a le Kamarobang a dit, pour la petite série, a nommé maman Judith comme premier ministre, il y a Mbo Kanabiso. Donc, elle est déjà exposée. Alors d'abord, moi, ma UDPS, déjà maman, elle est déjà exposée. Donc, au bang, on le remoroté. Donc, voilà. Et on doit informer les Congolais. Je dis, c'est 80%. Lorsqu'on va essayer nos stratagèmes, lorsqu'on va essayer nos stratagèmes, tout ça, la stratégie, mais le tour Omega. Alors, ceux qui t'ont mégi, tout le monde, stratagème, n'a besoin de s'imiter. Alors, Oyasuka, maman Judith, Simba, Mote Matoleka, Petoko Maurice, moi j'en ai clé l'eau, maman Sophie Conde, parfait go à la paix si. Alors, l'actualité, c'est toujours la nomination de notre premier ministre, maman Judith Suminwa Tuluka. Alors, donc, voilà. On doit toujours préciser pour ses origines, parce que nous ne voulons pas, kabilistes, les Congolais de mauvaise qualité, intoxiqués, Congolais. Azali Moukongo, Azali Moundibou, Azali Moundibou, y'a Songololo. Donc, Nego, y'a Masanangaï, Gikiese de Monsalvi, Nego Nabino Yewana, Moundibou. Donc, Ndibou, Ezaba Congo, Oyo, Soko Sakadinaye, Ye, Abalobara Mingite, Bitumba. C'est ça, Ndibou Bangwana. Donc, Ndibou, Soko Yene Ngulu, na Vuluba, Ya Longenega Bilamba, Bitumbe Bandi, Balobara Mingite. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Gikiese, voilà. Je te salue, mon frère. Alors, Toto Nami, la Pessimbote, l'idée c'est ça, la Pessimbote. Angela Bakaji, je te salue. Beloti Mavou, mon petite soeur propre, la Pessimbote, femme d'affaires, maman Laba Yvonne. La Pessibino Mbote. Alors, écoutons un peu ce que Top Congo nous dit sur les... Connu au Congo et particulièrement au Congo central. Alors, elle a 56 ans, ça on l'a dit, on l'a écrit dans l'article que nous avons diffusé hier à 19h03 ou 19h, en tout cas très rapidement. Elle est la fille de son père est décédé, de Michel Souminwa Kisamba Onkandi Angazi. Décédé en avril 95, il y a 19 ans, qui a été, qui a occupé de Azala, fonction Ebélé Nanamboko. Il a été ministre plénipotentiaire du Congo en Belgique. Entendez, représentant du Congo au marché commun. Otokolobalelo, Azali, ambassadeur. Azala qui très longtemps ambassadeur voilà. De la République des Nations. Donc, il y a une partie, Oyo, Top Congo, Azali. Sur ma origine, il y a maman Judith Doba, il y a une toxique binoté. Mon balinaïa, ça mon Congo, tout le cas, vieux Roger. Ou puis vieux Roger, awa. Vieux Roger, zawa, puis vieux Roger, nabiso, yeyo. Na maman, bah, oui, yeyo. Doba, on cause sa binoté. Voici monsieur Roger Toulouka et sa femme Judith Souminwa Toulouka. Voilà. Donc, le nom Toulouka, c'est le nom de son mari. Voilà. Alors, son père, Boyoki, Michel Souminwa, un grand diplomate, ambassadeur en Belgique, il y a l'Union Européenne, et aussi na Tchad. Et il a participé à un projet, il y a construction à barrage Inga. Tout ça fait des années 70-72. Il fut président du conseil d'administration, il y a Kwilungongo. Village Nabangoza, village Temo, na Kimpese, na Songololo. Azamundibu, de père et de mère. Maman Baro Komona est Eliane, elle est en vie. Sa mère Eliane est née à Banza Ngungu. Gikiese Ndeonabino Yewana. Alors sa mère est là, fête na famille, tant que ba nommé, il y a eu directement, spontanément, ba mamba famille baye, ba ouya. Kapinga Kabamba
Ma Charlotte. Voilà. Je vous rappelle ceci. Notre parti de l'UDPS n'a jamais géré le pays. Donc, en tant que parti politique qui fait le jeu démocratique, c'est la première fois que Tozoua, premier ministre, a géré Mboka. Il faut oublier l'époque de Chen Tshisekedi, où ils allaient en opposition. Ils avaient opposition, Nemoutou, abandonné Gauchet, tu as dit la carte de la combat, la carte de la transition. Mais tandis que Awa, c'est un premier ministre qui provient de l'UDPS parce que l'UDPS est la première force politique dans l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, Babilo, quoi, la politique, la notion politique, c'est très, très important. Alors, et aussi, elle est allée, n'a nommé, à Kenagi na permanence il y a parti na biso UDPS yeyo bon photo yango yeyo na Chingoma c'était général Augustin Kabuya bangola bazo tambola na limité alors la vidéo yango yo na permanence. Boyoki bino moko na ye awate poto ba nokobenda mbongo to etula boyoki esprit mukongo le grand gestionnaire ba gestionnaire amoko ya mubangwana aye mama ka ebisi bino mbala moko aye awate ke no aye ebisi bino deja siko yo ke no bete matolo siko totala yo aye ebisi bino deja na ibandela ye aye wapi na parti politique na ye une pèse na ye awate poto ba nokobenda mbongo to etula. Esprit des Nekongo, les gestionnaires, c'est le temps de célébrer nos tribus. Nous célébrer nos tribus dans le sens positif. Ils ont dit que non, omoni mundi, omoni mukongo, ofingi, omoni muluba, ofingi, omoni kipusien, ofingi, omoni munande, ofingi te, omoni muyaka, ofingi te, omoni katange, ofingi te, omoni. C'est le moment de célébrer nos tribus, nos ethnies, nos provinces dans le sens positif. Mukongo, bon gestionnaire. Yeyo ayé, malamoko ayebisi bino, malamoko. Noma seki na mbongo esili. Alors toyoka, to continue. Voilà. Donc, Boyoki. Et puis, à Betty Massoune, jusqu'à l'année, ça l'a dit, l'autre jour, ou à jour, nomakiye. À Betaki, c'était, Nguna, ou Bazo, infiltré, Bissot. Si qu'on pas Betty sous, c'était Nguna, t'aurais pu me rendre banda. Esprit, Mundibu, Badabi Tumba, Mundibu. Qui est-ce de mon salvi? Yamo, pouvoir, la pino, yamo. Voilà. Alors. Toujours, on s'est la le gouvernement. On attend la composition du gouvernement. Balobi,
45 ministres, Netoyoki. On va voir ce que ça va donner. Mais Kedjomou Kenji, pour la Kedjomou Kenji, le ministre va retenir Nicolas Kazadi, va retenir. Il a fait du bon travail. De 4 milliards. Puisque quand la zone a du bon travail, wana, moi je ne suis pas dans des sentiments. Je vous donne des faits. Kedjomou Kenji, quand il parle, il donne des faits. Je m'en dis, je salue papa Gani dans la pésimote. La pésimote, dans la lobby, la pésimote, il y a un élément, une preuve pour faire de mon analyse qu'elle soit objective. Donc, budget de 4 milliards, mobilisation de 4 milliards à 16 milliards. Va garder Nicolas Kazadi. Moïndonzangi, on a vu des bâtiments dans l'université poussés. Va garder. Jean-Pierre Bemba, toyoki tomoni moi tonus moko na niveau armé, tomoni yango, tozo sentir yango, bagarde ye. Peter Kazadi, oh y'a eu des pèses, ministre de l'Intérieur, bagarde ye. Évidemment, il y aura des Congolais, bandabadaba y'a eu des pèses, bah on manipule, bah on pas kabiliste, qui refusent de réfléchir profondément. Peter Kazadi avait une seule mission, de garantir la sécurité avant les élections, pendant les élections et après les élections dans 26 provinces plus la ville de Kinshasa. Et bon, yébi, la stratégie, les plans diaboliques, machiavéliques, que bakabiliste, bakatoumiste, batoba kagame, batoba union européenne, prépara qui ils avaient concocté pour abîmer nos élections, pour créer l'insurrection au Congo pour créer la guerre civile au Congo. Union européenne, à la Guinée-Kati. Vous voyez, il y a des kidnappés centrales électorales de la. Et il y aura une information que hacker russe, il y a tout le monde qui a été russe, à ce moment-là, russe, pour tripoter, pour bébé sa élection de la. Jean-Pierre Bemba en a parlé. Et la personne qui était chargée, il y a qu'on sécurise Yango, c'est Peter Kazadi. Il a mis ses stratégies en place et il a réussi. Boyebi na Katanga, Malembankoulou, ce qui a été préparé au Katanga, ba meka ki na Malembankoulou. Et il voulait projeter ça na Katanga. Ils ont échoué. Bon, mon agi ndenge ba bloka ki Moïse Katumbi, aller na mai na misu Kabila, aller na mai na misu. C'est la raison pour laquelle, comme ils ont échoué na niveau ba élection, nesiko yo ba ke ko ça là. Maram Nabango et Alliance du Fleuve, Naba Jean-Jacques Mamba, Naba Henri Magi, Naba Joseph Kabila. Voilà. Donc, Peter Kazadi, beau garder. Dossier Koulouna, c'est un dossier structurel qui n'engage pas seulement le ministère de l'Intérieur. Non. Ministère de la Justice dans la Kati, ministère il y a genre et famille dans la Kati, ministère il y a économie dans la Kati, ministère il y a la création d'emplois dans la Kati. Ministère, il y a petite et moyenne industrie. Et là, la carte. Parce qu'il faut créer des emplois pour ces jeunes-là. En plus, ça a été. C'est pas l'avancée. Il y a un peu de Kouluna. Kabila, ils ont utilisé, ils ont pris sa barbe machette. Il y a un Français qui a l'homme, Kabila, ils ont pris sa barbe machette pour un bon marabat. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Bandeirou Nangaï. Gardons Peter Kazadi. Docteur Kamba. Docteur Kamba, avec dossier Naye, il y a gratuité, il y a maternité. Qui est effective à Kinshasa. Bon, mon ami, ba métier, ba naba meka buzo, ba botoli bango, ba ça sur ba médecin de l'autre. Je crois ba traduit bango en justice. Mais, il y a aussi notre ministre qu'il faut jeter, hein. Toi, la tine, la baron, t'es basé, béni, la carte au gouvernement, là. Mais, oh, yon, la nina, yon, mon athé, Fatih Béton, ministre de l'agriculture, ceux qui kanda, ba béni, ceux qui kanda, bon. Un incompétent, un illettré, il est nul. Nul, Bissot. Babé Manaï. Alors, Vega Zate. Bon, oh, Vega Zate, la première ministre. Oh, Bani, Libana Masolo dit. Bravo. Donc, Vega Zate, tu rebarres sous Zela, l'Assemblée nationale. Tu rebarres, président de Sayo, moi, on appelle son beauté. Tu rebarres sous Vega l'Assemblée. Le roi primature, déjà, tu rebarres, tu longues, Zate. Alors, si on a, est-ce que tu vois l'Assemblée nationale, tu se concentrer. Tout barrenze là. Voilà. Alors, dossier. Alors, je suis tombé sur un. Voilà, là, je vais appeler le Romo.
et tamboli dans les réseaux sociaux trop. Oh, prophétie, prophète Moura Zoloba. Azoloba Makamunae, tout là, il raconte sa vie, écoutez. Va placer à la tête de ce pays dans le gouvernement une femme qui sera premier ministre. Elle portera des lunettes. Elle sera de teint clair. Lorsque tu seras à côté d'elle, tu regarderas le teint de cette femme. Tu seras surpris de constater que c'est une femme qui entretient très bien son teint. Est-ce que vous croyez que Dieu, quand Dieu fait des prophéties, il va parler de ce genre de choses? Une femme qui entretient bien sa peau. Est-ce que Dieu peut parler de ça? Quand Dieu donne des prophéties, est-ce que Dieu peut parler de ça? Oui, ça dit prophétie en ce qui est dans le mois de janvier. Mais, tout observateur averti en politique, sans toujours avoir information à bien, à sali, des gars, analyse moro politique, à y'a pas qu'il maman, je dis ton collègue. Ma petite sœur, magistrat Mpunga, Ayeba qui a déjà avant, petite sœur Nangaï, propre, Ayeba qui a déjà. Judith Souminwa, premier ministre. Donc, ce matin, vous savez qu'analyse a dit au monde, que non, yé. Voilà, donc, ça prophétie. C'est pas Dieu qui parle, non. Ça sont des bêtises. C'est pas Dieu, s'il vous plaît. Respectons les créateurs Dieu. C'est ma faux prophète, ma faux pasteur, voilà. Alors, faut respecter cette dame. Hein. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'il y a un posa d'Axabino Tenae? C'est une femme mariée? Il y a pas d'Axabino Nera Sorola, Nera sa propre, non? Il y a toi, la besoin des compétences. Voilà, c'est la raison pour laquelle je donne raison à mon frère, l'artiste praticien visuel. Patitindele, le bique, non. On n'a pas besoin d'une femme ou d'un homme. On a besoin des compétences. Compétents. Au lieu de parler de sa compétence, vous me parlez de ses lunettes, vous me parlez de tel air clair. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Arrêtez de partager ces babylons diaboliques. Les gens diaboliques, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui parle dans ça. Alors, dossier du patron Kabila. Boyebi, Augustin Kabuya, c'était général Augustin Kabuya, nega tumba gizamba, a tumbi nzamba, zabe peli moto, nete sou na vidéo à moi, na chambo de chinazo, le la vidéo à moi fort. Augustin Kabuya, tumbi zamba, donc ba kabiliste, ba leli, na mounogwa mboka. Maintenant, ils sont en train de se justifier, bonaboué, pamba, Augustin Kabuya, sa beti na ye, bon, me la biso ba preuve, contraire, oyo, que Kabuya magamu Kabuya lobi za yangote. Donnez-lui des preuves. Son preuve ça te. C'est fou. Tu rajoutes moins d'ambou, hein? Augustin Kabuya. Situation tozana yango. Eko chiseke. Ngai na yeba ki yango. Siko ba to mama ye na dejem o atika ta wala simogote. Atima na kopata ma prise ke. Ke ho esa ko sale makuna. Ba manduki wana ko sécuriser ba ndegoyo bazana est. D'abord, pour votre information, Kabila n'est pas un ministre qui est un ministre. Akima Mboka a demandé à la radicalité. Et vérifier la DGM pour attirer à la place de mon côté. Akima n'a pas battu ma prise. Que Kero et Sakosa le Makuna, c'est lui qui est derrière. Augustin Kabuya, AK-47, au Lingo Linga été, à Betika Kamongo, famille politique à Kabila, ma Kale. Je vais faire une vidéo à Kala, au Kabila Zongi, vidéo à Kala. Toko Kangaye, aïe, Toko Kangaye. Alors, tout le monde dit Barbara Nzimbi, au porte-parole, il y a Kabila. Il y a moral, le baraque. À Toki, tout le monde dit les musées, ils avaient beau témoin. Moutou, bon, ça va théâtre là-bas, on va la politique. Bon, ça va théâtre là-bas, on va faire ça. Moutou, na makolo. Big Master Valérien, je salue. Bon, ça va théâtre là-bas. Mais, va poser une question à prouver. À prouver que non, Kabila Bimaki. Ma preuve, ça va, puis il y a des gemmes à coquiter. Il fallait maintenant, si on va poser une question. Parce que Augustin Kabuya a dit un élément. Il y a un président africain qui a dénoncé Kabila. Kabila est allé le voir pour président en africain à soutenir M23. Je crois que ça doit être un président. Et vous, président angolais. Et vous, président angolais. Si vous, président angolais, et vous, président sud-africain. Babouina Bango. Ils l'ont dénoncé. Ils ont soutenu M23T. Comment on sait que le président a soutenu
à soutenir M23. Voilà. Voilà. Si voilà. Kabouya ça, Toubi Zamba, fini, terminé. Alors, on voit un voyou là, un Congolais sale de mauvaise qualité, José Makila. Oh, voilà. Certains ont dit Kabouya, t'as la rétroviseur, t'as la siko outi. On dit Kabouya outi wap. On dit Kabouya Zali combattant. Il y a eu des pèses. Aouta wapi. Il y a un boundande pombo kane zala libéré. Bas va pouvoir, il y a un autre zoui. Il faut conserver le pouvoir. Surtout, yo José Makila, toi, un Congolais. Un Congolais. De sur quoi Mungala, à Mungala, qui se fait à Talakou, vassal, esclave d'un petit étranger rwandais, Kabila. Et puis, on s'attaque dans le secrétaire général, Augustin Kabouya. Mais, Augustin Kabouya, le Mbaka Mounaye. Mais vous pouvez le contraire. José Makila, au lieu de parler de bêtises, donnez-nous le contraire. Présentez le fait contraire. Oh, voilà, Abima qui n'a déjà mis en goyo. Et ça t'est. Et ça t'est. Mais, toi qui veux que Kabouya regarde son passé, puis je peux te vérifier le passé, Nayo. Va, et Kangi José Makila, ici, il a traité Kabila de complice et marionnette de série de tueurs en série. Paul Kagame, parce qu'il a fait entrer les militaires rwandais sur le sol congolais sans motif clair. Il lui reprochait la violation flagrante de la Constitution. Toyoka, José Makila, le loyo, Oyakomi Kolobela, c'était général Augustin Kabouya. Quelle honte! Joseph Kabila Kabange, un président de la République, a remarqué que, a pacifié Mboka, a qui cheval de bataille, n'a tout le monde pacification en Mboka. Armée Moko et Salamite, tout ça n'a armé. Alors, à Salinakou, armée Nabiso, et à la modernité, et à l'armée républicaine, et à ta armée Moko, tout ça n'a armé à Wate. Yamisato, n'a pas reproché la complicité na Kagame pour n'a pas de Mboka Nabiso. Preuve d'angoi en moi. Pourquoi tu sais, militaire rwandais est belé en Mboka Nabiso sans que toi yéba, bah y'a qui ko salanini. Ma bote la biso Mboka. Si ko bimi poisa. Nazo reproche ye na mote ma mabe. Eza penza mote ma mabe soko oza na sou. Vraiment, eza mote ma mabe. Nazo reproche ye a soukape ya grave violation en constitution. Ça là, nous attendons à Kamoussou, mais jamais qu'on viole la constitution. Le problème, c'est que Kagame a dirigé et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc, nous avons vendu, et nous avons vendu dans Rwanda. Pour Kagame a dirigé Rwanda et Congo, la preuve. Tout le monde a une déclaration, il y a James Cap. Voilà. Boyo Kibino Mogo, José Makila. Et maintenant, il n'a pas froid aux yeux. Il y a quoi pour soutenir Kabila. Oh, il y a maintenant qu'on fustige. Moi, je comprends pas des Congolais, hein. Bon, je veux rappeler un peu ceci. Moni José Makila Yewana, il critiquait Kabila. Après, il s'est fait acheter par le même Rwandais Kabila. Par le même Kagame. Basombi et José Makila. Il est là, a commis chantre, a commis Atalaku, a commis vassal, il y a Rwandais Kabila. Alors, Batouba, c'est l'erreur, hein. Batouba, c'est ça la stratégie de Kabila à l'époque. Au fingier, au critiquer Kabila Roya corrompre yo à peu sur poste. Au critiquer, il y a beaucoup, il y a des. Il y avait Moutouba Ben Makoloro Tambola. Ils sont nombreux. Au critiquer Kabila, à Sombio, à peu sur poste. Avec Félix Tshisekedi dit bon keba. Fumutoto. Stratégie, on avait Félix Tshisekedi des Tambola raté. Ce qu'on conseille dit bon, au Betty Pembe ni Barobet a 12. 12. Soro Longagnon, ça go longwe. C'est ça. Avec Félix Tshisekedi, attention. Ok, bah, il y a le temps pour la Némoualaté. Faites attention. Alors, nous sommes tombés sur un article, il y a un journal Moro Namibien. Un journal, il y a un journal congolais, et il y a un Namibien. Il y a un Oyo. Bakomi Awa, Namibien. Il y a un Oyo. Alors, dans le journal Namibien, Balobi, Diarasi lost billion trust to Namibia. Bazu Fota Kabila, Bachi. Alors, Bachi Kaka, titre. Na tangi oza na katite. Donc, mort à la bise, tu perds de ma milliard. Oyo Joseph Kabila, zo tinda yango na Namibi. Donc, Congolais, moutoyo, il faut to kangaye, to neutraliser ye.
Tout tient la prison. Voilà. Donc c'est un peu ça. Tony ça là. La pression mode, la pression raison. Parce que tu es parmi les premières personnes qui en parlaient depuis. Il faut ton karakabi la pomme à la calme. Moi que je vous gagne, je doutais de toi. Et maintenant je te donne raison. Voilà. Ok, je vous gagne à tout et à rouille. Tony ça là, nandimie. Alors, on a vu notre ministre, l'excellent ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, par-ci par-là, Azo Tambola, pour là, pour maintenir le front médiatique. Tout le monde est là-bas, dans ma chaîne de télévision, tout le monde est dans France 24, tout le monde est dans RFI. Ah, ils ont la RFI. Président Tshisekedi accuse la communauté internationale de complicité avec les Rwandais qui agressent votre pays. Mais, monsieur le vice-premier ministre, est-ce que les Américains, les Français, n'ont pas condamné publiquement le soutien des Rwandais aux rebelles du M23? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé aux Rwandais de retirer leurs troupes de votre pays? Ça ne suffit pas. C'est positif. C'est une évolution qu'il faut saluer. Mais nous disons qu'on ne doit pas se limiter à ça. D'autant plus qu'on sait que le président Kagame n'a que du mépris vis-à-vis de telles prises de position. Donc, il faut aller vers les actions de terrain. Voilà. Vous dites que vos ressources sont pillées par le Rwanda. Puis voilà. Donc, voilà. En grosso modo, brièvement, on pose notre ministre des questions. Les alliés, je crois, Boisbouvier, m'a posé une question. Alors, bon, le président Félix Tshisekedi accuse les Occidentaux, la France et les Américains de complicité. Ils ne disent rien. Ils ne condamnent pas le Rwanda, mais alors qu'ils avaient dénoncé, alors que la France et les États-Unis d'Amérique ont condamné Kagame. Boyoki, tu sors toujours à répondre à la vie, oui, mais c'est pas assez. Il faut aller plus loin. Des sanctions, plus de sanctions. Yamone Royo qui s'akagame, atikaba bêtise naïe. Alors, m'a posé sous question, quels sont les pays occidentaux qui pillent des minéraux à Congo? On a posé une question directe. Il n'est pas allé par 36 manières, il n'est pas allé directement. Ah, puis c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi, Lutundula, qui le dit. C'est Kagame qui le dit. Alors, il faut que tu sois en gai. Non. Bah, minéral, il est là. Il est là, il est vous rappelez? Il est là, il est là. Tout et tout là. Et, exemple, il est dans la Belgique. À Tangi Kombo. Il est dans la Belgique. Un ministre des Affaires étrangères, il doit être un diplomate, mais tant à Tangi Belgique, c'est qu'on en a marre. On en a marre. Donc, c'est une attaque diplomatique à la Belgique. Et aussi à Bakissi, il y a des accords économiques entre le Rwanda et l'Union européenne pour des matières stratégiques. Oh, l'Union européenne, c'est que le Rwanda ne dispose pas de mines, ne produit pas ses minéraux. Mais bah, signé un accord. Et ça peut pas y aller dans le Congo. Alors, l'information la plus importante que moi j'ai tirée, c'est la visite officielle du président Félix Tshisekedi en France. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi va se rendre chez Macron le 28 avril. Donc le 28, il y a moins Oyo. Le président Félix Tshisekedi va aller en France. Alors on lui pose la question, qu'est-ce que les Congolais attendent de cette visite officielle de Fachi Béton dans la France? Des sanctions. Des sanctions supplémentaires contre Kagame. Et puis, question de tout nous la zone fustigée. L'Union européenne est payée 20 millions de dollars dans Rwanda. Le journaliste Azo Batiabité, il a pris aide, il y a armée rwandaise dans Mozambique. Christian Lutundula a le dit soi-disant. Donc, beaucoup de choses sont en abino. Alors, et puis, on a parlé du dossier de la francophonie. La francophonie, pour la RDC va donner des propositions pour le fonctionnement. Le changement de fonctionnement de la francophonie, évidemment, on va attaquer cette secrétaire générale qui est une rwandaise, Oyo Azali Suki Mushikobwa, il y a Rwanda. Alors que dans Rwanda, on parle l'anglais. Alors, l'autre ministre des Affaires étrangères, Lutundula, a dit ceci. Quand on ne sanctionne pas, quand on ne désapprouve pas, ça signifie qu'on approuve, on soutient et on encourage. Donc, il faut des propositions. Ah, voilà ce que j'ai dit, Maramaba proposition. Avoir attaqué l'attitude de la France et des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, et puis, il a aussi parlé de la coopération militaire entre la RDC et la France.
l'information, il y a un officier, tout et tout là, il en a parlé. Alors, je laisse à poser une question dossier à peine de mort. Alors, il y a 11 militaires qui sont accusés de trahison. Est-ce que seront-ils frappés de la peine de mort? Yamana, notre ministre des Affaires étrangères, vous rappellerez, il avait convoqué les ministres de l'Europe pour aller à Bango Bokeba. Beaucoup de là-bas faire, il y a ma congolété. Alors, à signifier la ministre, la journaliste, que non, il y a 54 pays dans le monde qui appliquent la peine de Dayachou, y compris les États-Unis d'Amérique. Donc, à l'Omina, il y a toujours Zéla. Bon, ça, la tolé, bon, attaquer les États-Unis d'Amérique. Ceux qui nous ont attaqué les États-Unis d'Amérique étaient, taisez-vous sur le Congo. Sur le Congo. Et puis, a insisté à l'Obiboué. Pour le cas qui se passe à l'Est, ma Cambozo est à l'Est, il faut, il y a une situation spécifique, il faut des solutions spécifiques. Donc, quand il y a trahison, il faut peine, il y a Dayachou, bien sûr que ça. Donc, c'est très, déjà très bien. Et puis, à profiter de l'occasion, Anna, sur RFI, pour parler, dénoncer la stratégie de Kagame. Kagame a dit que prétexte n'aille à F, il y a FDLR. RDC a aussi dit ça, on va balayer ça bientôt. On va balayer ça bientôt. Stratégie, Anna, il y a FDLR. Maintenant, Kagame crée une autre stratégie, a joui des Congolais sales de mauvaise qualité, les vassaux, Nanga, Jean-Jacques Mamba, Henri Magie, Tissot, la bataille, PPRD, Ache Barodi Bosso. Déjà, il y en a qui sont de tout là, abandonné déjà pour critiquer Yango. Il va aussi plus loin pour attaquer le voyou Ambongo, le satanique. Ambongo, c'est un satanique, un sorcier, Azandoki. Azan cardinal, moi, je suis un catholique. Je ne reconnais pas, avant comme autorité, ce voyou d'Ambongo, un sataniste. Qui soutient la rébellion. Ambongo soutient la rébellion le M23. Pourtant, il y a un lobby. Il y a un lobby. Il y a un lobby. Et ça, pour, il y a un gâteau. Donc, pour Ambongo, gérer le pays, le gouvernement, la RDC, c'est un gâteau. Il y a un lobby. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, il combattait la gratuité scolaire. Donc, Mongoana, pour lui, c'était le gâteau yaye. RDC, c'est un gâteau pour yaye. Donc, à Mongo, Kebanayo. Alors, très rapidement, situation à l'Est. Grand philosophe Dou et Dou, je te salue pour le message de Tinelingaï. On nous signale ceci. La 23e brigade des commandos FARDC avait samedi coupé la liaison des terroristes M23 rwandais, Sacha Minova. Hier, yeah! Les FARDC ont repris Mianzi, Vanano et une partie de Kimoka sur l'axe Sake-Kinshanga. Donc, hier, avant-hier, mais hier, les Mapinga sont en train de neutraliser les renforts des terroristes sur tous les fronts. Alors, il y a moi, Jean-Pierre Mbikoulou, à ce qu'on insistait, pour toi, si c'est guerre, il faut toi attaquer Bango sur plusieurs axes. Yango va sonner la biso. Donc bravo FARDC. Bon, continuez toujours dans le bonjour au ça là. Voilà. Donc bon, continuez dans le tang libino. Ba vino bazo loba. Il y aura Jean-Pierre Mbikoulou qui est un officier. Il y a info, Azolo Bakeno, la meilleure stratégie d'attaquer, il faut qu'on attaque ma terroriste M23 dans plusieurs axes. On a le nombre, on a le matériel. Au lieu de tout ça, on a axe moro T. Toi, attaquer, bah, on a plusieurs axes, et voilà, c'est aussi là. Donc, bon, tu as vu l'interview à Félix Tshisekedi, à l'obi, qui est non, action diplomatique, on te dit ça là, oh, la souka. Donc, espérons que bientôt, la paix va revenir au pays et on doit se battre pour ça. Portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Djomou Kedjimam Sam Didepes. Bye 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 bye. À la prochaine.